Vincent Piégeot, rien truc 4, tricheur et manipulateur envers Corentin, il se fait lyncher. Tricheur, manipulateur, déloyal. Depuis la diffusion de l'épisode 20 de Rien truc 4 ce vendredi 26 janvier 2018 sur Énergie 12, Vincent Piégeot est au cœur de toutes les critiques sur les réseaux sociaux. Aidé par Corentin, Koh-Lanta, lors d'une épreuve, l'ex de Sarah Lopez ne lui a pas rendu l'appareil et l'a laissé perdre, ce qui a provoqué la colère d'Elsa Dask, mais aussi des internautes. C'est un combat de titans que nous a réservé l'épisode 20 de Rien truc 4 diffusé ce vendredi 26 janvier 2018 sur Énergie 12. Corentin, Vincent Piégeot, Adrien Laurent et Charles se sont affrontés au nom de leur équipe dans une épreuve très sportive. Mais alors qu'il devait creuser dans le sable pour passer en dessous d'un rondin de bois, Vincent Piégeot s'est retrouvé coincé, et a alors demandé l'aide de Corentin, qui était encore en train de creuser. Déloyal envers Corentin? Sans hésiter, l'ancien candidat de Koh-Lanta s'est dévoué pour son ami et l'a aidé à sortir du sable. Mais si l'ex de Sarah Lopez lui a promis de l'aider à son tour de passer en dessous du rondin, il n'a pas tenu sa promesse, et a préféré courir et continuer l'épreuve, laissant ainsi Corentin perdre. Une défaite à la conséquence lourde, surtout pour les jeunes, puisque c'est Dominique qui est éliminé de l'aventure. Si Corentin ne lui en veut pas, ce n'est visiblement pas le cas d'Elsa Dask, qui a qualifié Vincent de déloyal et l'a accusé de triche. Trop de triche et de favoritisme dans cette aventure, dénonce-t-elle sur Snapchat. Un avis partagé par de nombreux téléspectateurs, qui ont lynché l'ancien candidat de Secret Story sur les réseaux sociaux. Gros tricheur manipulateur, tu mérites pas ta place dans Friends Street, honte à Vince. D'habitude je ne commande jamais, mais là c'est de la tricherie pure et dure, je vois pas comment la production a laissé passer ça. C'est honteux et très bas, peut-on lire, entre autres, sur Instagram. D'autres lui rappellent cette expression, à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Alors que Corentin reste persuadé que Vincent aurait fait de même pour lui, nombreux en doutent.